Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de la légende de la Juventus, Pavel Nedved. Je vais vous faire une review sur lui. Donc en fait, je vais vous présenter sa carte. Je vais vous expliquer un petit peu ses points forts, ses points faibles. S'il y a des tactiques avancées à lui mettre en match, son poste de prédilection, on va parler de tout ça. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les amis. Alors les potes, on va déjà parler de sa carte. On va déjà parler de sa carte. Comme vous le voyez, là, on va parler de Pavel Nedved 90. Et je vous ferai voir après jusqu'où il peut monter. On peut déjà voir quelque chose d'intéressant, c'est que regardez au niveau de ses postes, il peut jouer MLG, MLD, MO et MR. Ça, c'est intéressant, puisque quand vous regardez son graphique, déjà, vous vous rendez compte qu'il a une carte très complète. Vitesse, puissance, tir, passe, dribble. Il a pratiquement tout, sauf en défense, mais à la rigueur, c'est pas ce qu'on lui demande, puisqu'on lui demande pas d'être un milieu défensif. Au niveau de ses statistiques, on voit qu'offensivement, c'est très propre, 84 de talent offensif, contrôle, dribble, c'est parfait, les passes, 91 de passes à terre, 84 de passes lobées, c'est très propre, finition, 85, donc même s'il se retrouve devant le but, il ne va pas louper. Coup de pied arrêté, 85, 82 défaits, c'est très propre. Les têtes, c'est très moyen, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Le talent défensif, 65, c'est correct pour un MR. Récupération de balle, 57, là c'est faible. Par contre, puissance de tir, 95. Vitesse, 81, c'est très bien. Explosivité, 88, c'est quand même vif. Équilibre, 85. Contact, 80, c'est bien. Détente, 71, c'est moyen. C'est un joueur qui fait 1m77, donc il est assez petit. On a tout de suite compris qu'au niveau des têtes, il ne va pas falloir lui mettre des longs ballons. Endurance, 99, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en MO, il va descendre. Il ne va jamais être fatigué. Vous n'avez pas besoin de lui mettre de cible de contre. Sur un côté, c'est pareil. Puisqu'il est MLG, il va faire les allers-retours sans problème. Quelque chose de très important également, regardez, 7 de forme. Ça veut dire quoi, 7 de forme? Je vous rappelle que c'est une légende. Donc, il a tout le temps la note C. C. Si vous avez la note C, ça veut dire que vous allez pouvoir être en flèche haute ou en flèche basse, un petit peu au hasard. Sauf que la forme, elle joue là-dedans. Elle est là pour ça, la forme. Et donc, une note de C avec 7 de forme, vous êtes sûr qu'il va être toujours à 90% au minimum en flèche normale, voire flèche verte, claire ou foncée. Il sera pratiquement jamais en flèche basse. Donc, Nedved, vous pouvez le mettre dans votre équipe. Vous savez que vous n'aurez pas de problème. Résistance de blessure 3, c'est bien, mais on sait que sur ce PES, il y a très peu de blessures, donc on n'en parle pas, les amis. On s'aperçoit qu'une fois monté, notre petit Nedved, il va avoir quand même ces statistiques qui vont quand même légèrement monter. Notamment la puissance qui va continuer à monter, 96, 91 de contrôle de balle, 91 de passe à terre, etc. Vous voyez ces notes. Bon, on va pas se mentir les mecs, on va pas se mentir. Nedved, c'est fort partout. C'est fort partout. En plus, 3 poumons, 99 d'endurance, c'est très bien. Au niveau des techniques du joueur, on n'en parle pas assez souvent dans ce PE, je trouve. Tir lointain, tir plongeant, tir montant, tir acrobatique. Ça veut dire que à partir de 25 mètres, sur son pied droit, il faut frapper. Faut frapper et vous allez voir que vous allez en mettre des buts. Talonnade, moyen. Centre millimétré, c'est pareil. Vous allez pouvoir centrer du pied gauche ou du pied droit puisqu'il a 4 de précision de pied faible. Même du pied gauche, ça passe. Effet extérieur. Alors là, vous mettez des enroulés quand vous êtes sur le pied gauche. Mais lui, il va vous faire un extérieur du droit. C'est magnifique. Donc, vous l'aurez compris, Nedved, c'est très fort. Mais alors, avec toutes ces caractéristiques, là, je vous ai dit qu'il était bon partout. Comment on le fait jouer? Où est-ce qu'on le fait jouer? Moi, vous savez que je joue avec Fernando Santos dans un 4-4-2 avec MDF, MLG, MLD, MO et deux attaquants. J'ai testé Nedved en MLG et j'ai testé Nedved en MO. C'est très, très, très bien. C'est très bien, surtout dans cette configuration-là, puisque le fait qu'il ait 99 d'endurance, il va pouvoir venir participer défensivement. Donc, quand je le mets sur le côté gauche, il sécurise grandement mon côté quand même. Sandro, il se retrouve beaucoup moins en 1 contre 1. Mais quand il est en MO, il va redescendre aussi dans le cœur du jeu, aider mon milieu défensif. Et ça, c'est super sympa. Je suis convaincu que dans un milieu à 3, avec un MDF, 2 MR, même à 3 MR, je pense que
Il est parfait également, Nedved en MR. Vous l'aurez compris, hein, je vais pas vous mentir, très 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 belle carte. Super surpris, je pensais pas qu'il aurait une aussi belle carte. C'est un petit peu, d'après ce que j'ai vu, un Gullit un tout petit peu en dessous, puisque Gullit c'est pareil, hein. Mais on n'en parle pas. Donc, Nedved, MLG c'est très bien, MO c'est très bien, MR c'est très bien. Ces trois postes, allez-y, si vous l'avez, testez-le. Si vous ne l'avez pas, il est encore temps d'essayer de le paquer. Aujourd'hui, ils nous ont encore offert pas mal de points. On a eu des points PES offerts. On a encore 10 000 GP à gagner par jour en faisant les matchs contre l'IA. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur notre petit Pavel Nedved vous aura plu. Je vous en prépare d'autres sur d'autres légendes les amis. C'était Luthor, ciao.